Bienvenue dans l'émission Parole de femme, une semaine sur l'authenticité, comment vivre une vie authentique en étant une femme authentique. Et hier, avec notre invitée et les filles de Parole de femme, on a fait ce premier pas pour découvrir qui on était réellement. Pas avec notre sale caractère, pas avec les traces du passé, les blessures qui ont peut-être pu forger une personnalité qui n'est pas vraiment la nôtre, mais qui on était réellement en Jésus. Et je crois que vous avez fait cet exercice, que vous avez demandé au Saint-Esprit de vous révéler qui vous étiez et que vous êtes permis tout simplement de rêver et d'accepter la personne extraordinaire que vous êtes. Alléluia. Et on s'en réjouit aujourd'hui. Et on va parler des relations avec toi, Emmanuel. Alors, j'ai fait une mini présentation hier et au fil de la conversation hier, je me suis dit, mince, j'aurais dû le dire. Ça, donc, tu sais, ça, je l'ai dit, tu es pasteur avec ton mari de l'église. La Chapelle à Mons en Belgique. Oui. Tu as donc un mari. Oui, vous ça c'est marié. Fait. Moi je sais depuis 14 ans. Oui. Et non 17 ans. Exactement. Comme tu pourrais le dire. Parfois. À l'occasion. Des fois. Parce que ton anniversaire de mariage c'est le 17 septembre. Merci, merci de m'aider. Merci beaucoup. Tu as 5 enfants, 5 super beaux enfants de 12 à 3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Là je suis waouh. Tu es kiné. Oui. Ton mari est donc pasteur, avocat et attaché parlementaire, c'est ça ? C'est ça. Wow. C'est donc voilà, vous n'avez qu'une vie, bien entendu. Vous 24 heures comme tout le monde. En Belgique, c'est 24 heures. C'est pareil. Hein. D'accord, c'est pareil. Excellent. Non, bon, sur l'authenticité qui vient nous complexer. C'est maintenant ce que j'allais dire. Comment on fait sur 24 heures. Tu pourras nous dire au fur et à mesure de la semaine, on va parler de la famille, du couple, que quand même, quelquefois, c'est dur. Tu bien sûr. Nous dire. Bien okay, sûr. Super. Bien sûr. Parce que on peut même déjà en parler aujourd'hui, justement, mais oui, bâtir des relations authentiques. C'est un peu un défi, quelque part, parce que c'est pas facile, on l'a dit hier, de s'ouvrir et de montrer aux autres qui on est. Et quelquefois, finalement, c'est plus simple de rester dans quelque chose de plus superficiel. C'est moins engageant, à la fois pour moi, mais aussi à la fois pour l'autre. C'est moins dangereux, c'est moins risqué, mais on passe à côté de grandes bénédictions. Et c'est vraiment un risque à prendre, en fait, dans notre vie, mais de façon intelligente, de façon sage. Et c'est de ça dont on va parler avec toi, Emmanuel, aujourd'hui. Exactement, c'est ça, bâtir des relations authentiques. La Bible nous dit que si on marche dans la lumière, on est en communion les uns avec les autres. Ça veut dire que si je suis vraie, si je marche réellement dans la vérité, alors je pourrais être en communion avec vous toutes ici et avec toutes les personnes que je vais rencontrer. Maintenant, je ne dis pas non plus qu'il faut absolument être intime avec tout le monde. Je dis qu'il faut être vrai avec tout le monde. Je dis qu'il faut vraiment, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, ne t'invente pas une vie, ne t'invente pas une personnalité. Mais vraiment, je dis ça, ça arrive. Hein. Vraiment, on te présente et puis il y a des gens qui ils s'inventent une vie et t'as toute une image d'eux, et puis quand t'apprends à les connaître, tu te rends compte qu'ils sont pas du tout comme ça, en fait. Donc voilà, je pense que c'est tellement important de rester soi-même et en toutes circonstances. Et je crois que, moi, la première, et ça peut arriver peut-être à vous hein, que vous allez regarder cette émission, en tant que chrétien, ça nous arrive d'être un peu schizophrène. Être un peu, le dimanche, je suis comme un ça. Un bon chrétien. Ben ouais, c'est ça. Le dimanche, j'ai une image, même vestimentaire. J'ai une façon d'être. Et c'est vrai que je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts le dimanche, bien entendu, il faut faire des efforts. Mais de là, être totalement différent le lundi, totalement différent, tes collègues ne connaissent pas la personne qui vient le dimanche à l'église. Et pareil pour les gens de l'église, ils ne connaissent pas cette femme que tu es le lundi. Et ça, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment très important de rester authentique, de rester soi-même et d'avoir une forme de constance, tu vois. D'avoir une forme de constance, de dire, mais je suis comme ça avec vous. Si maintenant tu vas me voir avec mes enfants, tu ne vas pas dire c'est une autre Emma. Mais en fait, elle est comme ça. C'est vraiment sa nature, en fait. Et donc voilà, moi personnellement, au fur et à mesure que j'ai appris à me connaître, il y a des traits de caractère que j'avais du mal à accepter parce qu'en fait, les gens jugeaient ce trait de caractère en disant c'est impossible que tu sois vraiment comme ça. On va prendre un exemple. Dieu m'a donné quand même une forme de bienveillance. En fait, j'ai tendance à voir quelqu'un et à sentir sa souffrance, à sentir sa compassion. Et donc, du coup, j'ai de la compassion pour les gens. Et un jour, un jeune de mon église m'a dit, mais en fait, c'est impossible, tu n'aimes pas vraiment tout le monde. quand on te voit, on dirait que tu aimes tout le monde. Mais en fait,
si, c'est vraiment ma nature. Et j'ai lutté contre ça. Je me suis dit, non, il ne faut pas que je sois trop... tu sais, moi, je fais des câlins. C'est ma nature, en fait, vraiment. Et j'ai voulu un peu mettre des barrières avec les gens en me disant, mais non, en fait, je peux être moi-même. Si les gens ne comprennent pas ou si les gens jugent ça, je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à vraiment me connaître, ils vont se dire, mais en fait, elle est tout le temps comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. J'avoue. C'est t'avoue, vrai. Hein. Moi, je l'ai vu à l'église, je l'ai vu en dehors, je l'ai vu dans un cadre vraiment plus perso, quoi. Et Emma est la même partout. Est-ce qu'on peut en dire autant de vous, les filles? Alors, pour ceux et celles qui se demandent, parce qu'à la fois, on me pose la question, est-ce que vous êtes vraiment des amis dans Parole de femme? Ah, c'est une bonne question. Hein. Ben, trop bonne question. Je vais les sentir. Non, tu peux rectifier déjà pour ceux qui prennent le premier degré. Ah oui, tu précises les choses. C'est une blague. On est des vrais amis. Ouais, oui. On est des vrais amis. On fait. Bon, on se voit pas tout le temps en dehors parce que c'est pas facile à cause de nos emplois du temps. Mais on se texte, on se donne des nouvelles, on s'envoie des images débiles. On fait ce genre de choses. On fait des anniversaires. On peut faire même des Noëls, etc. On a fait déjà Noël ensemble. Aurélie. Plusieurs fois. On a déjà fait plusieurs fois Noël ensemble. Donc là, on attend juste le mariage d'Aurélie. Mais sinon, voilà, on est des vrais amis. Mais ça me rejoint tellement ce qu'elle dit, parce que des fois, on peut être vraiment être caméléon. Sans être schizophrène, c'est vraiment être caméléon où est-ce qu'on s'adapte. Et surtout dans le milieu de travail ou dans un milieu, par exemple, qui connaissent pas la foi, pour pas les choquer ou pour pas avoir à expliquer, ou même pour pas avoir des attentes. Hein. Parce que là, tu te dis, OK, je vais pouvoir respirer un peu. Et donc, du coup, parce que tu es chrétien, mais quand la semaine, le soir, avec tes collègues de travail, vous allez prendre un verre, ben, du coup, tu deviens... comme eux, en fait, parce que tu veux être accepté. Et je crois que c'est ça qu'hier, on a parlé d'être soi-même. Il faut d'abord s'accepter soi-même. Quand je suis capable de m'accepter, là, à ce moment-là, je suis capable de me dévoiler, entre guillemets, donc dans ma personnalité à quelqu'un d'autre, sachant que qu'il m'accepte ou pas, ça ne change rien. Moi, je me suis déjà accepté moi-même. Et des fois, c'est ça, c'est qu'on ne s'accepte pas. Ouais. Et parce qu'on ne s'accepte pas, ben, du coup... on veut être cette personne qui va s'adapter selon le public qui est devant nous. Et ça, vraiment, c'est important de comprendre que des fois, on fait ça parce qu'on a l'impression que je suis comme eux, ils vont m'accepter, ils vont me donner des choses. Tu sais, au travail, je vais avoir de l'avancement dans le travail. Ou avec des amis, je pense à des jeunes, ils vont m'accepter, je ferai partie de leur groupe, je vais être cool, etc., etc. Mais quand, comme tu l'avais dit hier, si on comprend que de toute façon, on a une destinée et que Dieu la connaît, c'est Dieu qui me donne, anyway. J'ai pas besoin que toi, tu me donnes. J'ai pas besoin de savoir que je vais avancer à cause de telle ou telle personne. Je dois vraiment rester vrai. Et c'est dans la vérité, c'est en restant intègre, c'est là que je vais avancer. Et il y a beaucoup de gens qui sont schizophrènes, caméléons comme ça, pour vouloir avancer. Mais ils ont peur du rejet, tu sais. Voilà. Et le rejet, c'est quelque chose, tu sais, nous, on fait beaucoup de relations d'aide. Je sais pas si vous appelez ça comme ça, conseil pastoral. Et on voit le nombre de gens qui sont en fait blessés à cause du rejet. Il y avait une jeune femme comme ça à notre église, elle était toujours dans son coin, il n'y a jamais personne qui allait... En fait, on dirait qu'elle avait une pancarte, « Rejetez-moi ». Tu vois, elle portait sur son visage « Rejetez-moi ». Et après, on a fait toute une relation d'aide et on a compris en fait que ça vient de blessure, ça vient de rejet. Dans le ventre de sa mère ne la voulait déjà pas. Donc du coup, elle a déjà senti ce rejet. Ouais. Et donc du coup, elle se mettait tout le temps à l'écart des autres. Et après, elle disait « Personne ne m'aime ». Mais en fait, ce n'est pas que personne ne t'aime, c'est que tu portes réellement cette pancarte « Rejetez-moi ». Et je t'assure qu'on a fait la relation d'aide avec cette jeune femme, ça a pris du temps de guérison, d'apprendre à s'aimer soi-même. Et aujourd'hui, c'est comme si la pancarte s'est enlevée et elle a plein d'amis, elle a des personnes qui sont autour d'elle à l'église. Donc vraiment, ça, j'encourage aussi les personnes, si vous voyez que c'est trop difficile, si vraiment, il y a des choses, c'est compliqué de les régler soi-même. Encore une fois, c'est authentique de dire « help », « au secours ». Ça, je n'arrive pas à gérer moi-même, en fait. Ici, j'ai toujours eu l'impression d'être rejetée. En fait, quelqu'un doit m'aider. Il y a des gens qualifiés qui peuvent, il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont formés pour, qui peuvent réellement t'aider, et c'est être authentique. Mais ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec de dire « j'ai besoin d'aide ». Ce n'est pas un échec de demander de l'aide quand on sent qu'on a vraiment ce poids. Et moi, je veux revenir sur quelque chose que Nadine a dit tout à l'heure, en disant que c'est vrai qu'on ne doit pas être des caméléons. C'est le point qu'on est en train d'apporter. Mais il faut faire aussi une part des choses, parce que chaque domaine d'activité a ses règles, en fait. Ouais, c'est sûr. Et ça,
tu peux pas arriver à ton travail, dire que je suis moi-même. Je viens par exemple en tenue de plage parce que. Mais ça, c'est pas être toi-même. Ça, c'est très bizarre. Non, mais c'est vraiment, je prends un exemple pour montrer que même dans des petites, les petites choses, bien sûr. Il faut savoir que même en fonction des différents cadres dans lesquels on se trouve, il y a vraiment des choses qui sont rattachées à ces choses-là et qu'il ne faut pas mettre de côté. Parce que il y a des responsabilités qui vont t'obliger à sortir de ce que tu pourrais penser être comme toi-même. Et il faut pouvoir les porter aussi. Faire un effort, ça. Sans... Ouais, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et un jour, je discutais avec une jeune femme qui me disait « telle chose est hypocrite, et telle chose est hypocrite ». Et je lui disais « non, excuse-moi, c'est pas hypocrite de faire un effort. Parce que sinon, je ne ferais jamais de sport. Je serais vachement hypocrite de faire du sport. Qui veut faire du sport ? Personne ne veut faire du sport. D'accord. Je déteste faire du sport. Je veux être moi-même. Ou je ne vais jamais travailler lundi. Qui veut aller bosser le lundi ? Il n'y aurait jamais personne de travail le lundi. Je veux vraiment être en cohérence avec mes valeurs. Je ne veux pas être hypocrite, en fait. Non. Non, je pense qu'il y a vraiment un moment donné, vraiment, faut être capable de faire des efforts aussi, faire des efforts dans le travail, faire des efforts dans la famille. C'est pas porter un masque, c'est pas être hypocrite. On est authentique, mais on fait un effort, vraiment. J'en reviens au point de demander de l'aide. Là, on parlait de conseil pastoral, etc. Mais aussi dans un domaine quelquefois de plus intime au niveau amical. Quelquefois, on a du mal vraiment à passer ce stade, on passe des bons moments ensemble, c'est agréable, c'est on se connaît quand même, on partage des choses, mais partager un combat, partager une faiblesse, partager un défaut ou une lutte qu'on a, ça peut être vraiment plus difficile. Et quelquefois, on peut vraiment être bien entouré et pas avoir de problème relationnel, mais on met quand même une barrière. Tu sais, ce que tu trouves, toi, être plus sombre, être moins beau, soit tu n'oses pas, soit tu as peur, soit tu as honte, soit tu ne sais juste pas que tu peux le faire un certain cadre. C'est hyper important, en fait, d'arriver à se confier, d'avoir des personnes. Et comme tu l'as dit, il faut vraiment le repréciser, ce n'est pas tout le monde, qu'on le dit. Mais ce n'est pas normal qu'on ne puisse avoir aucune personne à qui on peut se confier et d'avoir des luttes intérieures ou des choses avec lesquelles on combat depuis des années et des années. On n'en a jamais parlé à personne. C'est ça, vraiment. Je pense à une jeune femme qu'on a rencontrée un jour qui luttait depuis des années avec la masturbation et la pornographie. Elle avait vraiment du mal avec ça. Mais comme elle avait confiance en personne, comme il n'y avait personne à qui elle était assez intime pour lui dire ça, surtout pour nous les femmes, c'est encore plus bizarre. C'est encore pas bizarre, mais tabou, on va dire. Voilà. C'est le bon mot, c'est tabou. C'est encore plus tabou de parler de ça. Les hommes peuvent peut-être plus facilement aborder ce sujet, peut-être entre hommes, mais voilà. Et elle n'avait jamais trouvé quelqu'un avec qui elle pouvait vraiment parler de ça. Et un jour, quand elle a trouvé un conseil pastoral, quand elle a pu vraiment se confier, parler de ça et guérir de ça, elle était totalement libérée. Et toute seule, elle n'arrivait pas. Tu sais, elle prenait des bonnes résolutions. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Mais je crois que des fois, il faut savoir se dire, j'ai besoin vraiment d'aide. Et ensemble, on peut y arriver. Ensemble, on peut prier pour toi, etc. Donc ouais, la Bible nous dit confesser vos péchés les uns aux autres. Ouais. Vraiment. Et ça nous dit de porter les fardeaux des uns des autres aussi. Et je crois qu'à ce moment-là, l'autre... En fait, quand on écoute, on peut se dire « Ok, je suis la personne qui a besoin d'être authentique dans mes relations » ou « Est-ce que je suis aussi la personne à qui des gens peuvent être authentiques envers nous ?» Et aussi, en tant qu'ami, je crois que quand tu as marché avec quelqu'un depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu es ami avec... Et tu te dis « Mais c'est bizarre, on fait que les magasins, on mange, il n'y a que des bons moments, mais est-ce que cette personne-là, pendant 10 ans, n'a jamais eu de difficulté ? » C'est sûr qu'elle en a eu, mais est-ce que moi, peut-être, je l'ai tellement mis sur un piédestal et je l'ai tellement présenté que non, moi, si tu me dis ça, ouf, je vais prendre peur. Mais trop. Mais je rebondis. C'est trop vrai ce qu'elle dit. Je rebondis avec ça parce que, aussi, des fois, nous-mêmes, on n'est pas une bonne oreille et on n'est pas. Tu sais, des fois, moi, ça m'arrive aussi, t'as tellement des petits problèmes, des trucs vraiment pas graves. Et t'arrives, tu vas manger avec ta copine et elle est en train de traverser un divorce. Elle va pas te le dire. Elle est en train de traverser un gros problème et tu te plains. Que tu étais en retard ce matin et que tes cheveux ça n'allait pas, parce que moi j'ai des cheveux des fois qui m'énervent, et donc tu te dis, et en fait à la fin, peut-être 2-3 mois après, tu parles avec la personne et tu te rends compte qu'au moment où vous étiez en train de parler, elle traversait un divorce, elle t'en a même pas parlé parce que t'étais pas une bonne oreille en fait. Donc ça aussi c'est important d'être authentique et des fois dire non, je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de dire tout le temps je et être là, mais toi tu dis quoi, qu'est-ce qui se passe aussi avec toi? L'authenticité, c'est ça, dans l'amitié, ça amène justement la relation à un autre niveau. Je me souviens, dans ma vie, j'ai eu des amis
ou qui vraiment, premier abord, je me suis dit, oh oui, on va, c'est un couple, ils sont super, ils sont tellement gentils, ils sont sympathiques. Mais après, ben en fait, on parlait, Joël et moi, puis on se disait, mais en fait, on a réalisé que tout allait toujours bien. Mm-hmm. Il n'y avait jamais de défi. Mm. Il était toujours joyeux. Bon, la Bible dit d'être toujours joyeux. Donc, il dit, voilà, c'est bien, c'est super. Mais en même temps, après, tu te dis, ben, je veux dire, on connaissait rien de personnel. Mm-hmm. Il n'y avait jamais de partage personnel. Puis, tu sais, nous, ben, on était à l'autre bout du pays, on avait besoin, je sais pas, ben, tu sais, des fois... D'authenticité. On avait besoin d'authenticité parce que nous, on est fondamentalement, on est hyper authentique. Ben, je dis quand il y a le lien de confiance, c'est là. Ouais. Et en fait, c'est qu'on a réalisé, ben, tu peux pas aller plus loin. On n'a jamais pu aller plus loin parce que les gens... Et c'était vraiment créé comme une carapace. Voilà, c'est ça. C'est comme si c'était... d'autres personnes, c'était genre Ken et Barbie. C'est ça. C'était Ken et Barbie. La perfection, oui, ils n'ont jamais eu de problème. Je pense que quand ils fermaient la porte de chez eux, c'était tout autre. Mm. Mais vraiment, ils s'étaient construit une identité à l'extérieur. Mm. Et c'était impossible de franchir, d'aller plus loin. Et je pense vraiment, nous, en tant que personnes, si justement... On sait que, ben, en fait, l'amitié, c'est essentiel. Hein? C'est, mm-hmm. on, c'est essentiel à notre épanouissement. À notre épanouissement, à rentrer dans notre destinée. Parce que, ben, avec les amis, on va plus loin. Bien sûr. On partage justement des défis. Oui. Ben, vraiment, c'est quelque chose qui. Il faut être prêt, justement, à être différent de l'autre, à accepter qu'on est différent de l'autre et justement, ben, dire, ben, oui, j'ai des faiblesses, puis peut-être même que tu peux m'aider là-dedans. Mm. Mais justement, si je montre toujours un portrait de perfection, mais ça va être impossible, justement, de franchir ça. C'est, moi, je pense que c'est vraiment libérateur d'être soi-même avec les autres. Mm. Extrêmement libérateur. Et je pense qu'il y en a qui nous écoutent, puis qui sont dans une prison. Oui. Genre, ils n'ont jamais été capables d'être eux-mêmes en présence des autres. Mm. Parce qu'ils ont peur de ce que les... Ouais. Que les gens vont dire. Mais c'est vraiment libérateur. Quand tu parles, je pense à des personnes qui, à cause de l'endroit dans lequel ils vivent, ça, j'ai déjà beaucoup vu ça, c'est que l'endroit dans lequel ils vivent, ils ne trouvent pas ça assez beau, en fait, pour le présenter à d'autres personnes. Et du coup, parfois, ils mentent. Parfois, la vie qu'ils racontent, en fait, n'est pas celle qu'ils vivent. Peut-être parce qu'ils habitent dans un coin plus qui est comme un ghetto, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment aussi de pouvoir être vrai, authentique. C'est comme on dit depuis le départ, c'est de pouvoir se présenter soi-même, de pouvoir présenter son environnement aussi, dans lequel on vit aux autres, aux personnes qui sont là. Parce que ben, c'est de dire, ben, si quelqu'un m'accepte, comme on l'a dit, accepte-moi avec tout ce que je suis. Vraiment. Et ne pas se sentir... mal, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'on est dans ces conditions-là. Les conditions par lesquelles les personnes passent aujourd'hui, c'est pas les mêmes dans lesquelles elles seront demain. Bien sûr. Et être authentique, c'est aussi pouvoir dire mes faiblesses d'aujourd'hui, c'est pas obligé d'être mes faiblesses c'est de ça, demain. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez ce portrait de moi, vous me voyez comme ça, mais il y a des choses qui vont se passer dans ma vie et ne pas avoir peur justement parce que quelquefois, Quand on expose les faiblesses, on devient vulnérable et tout. Mais l'idée n'est pas non plus de venir juste exposer ses faiblesses, mais c'est vraiment de dire, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie demain. Et les gens pourront attester, que voilà, cette personne, il y a une évolution qui s'est faite dans la vie. Ça aussi, c'est bien, parce que les gens peuvent mettre le doigt dessus, identifier... Et ça change la nature des relations qu'on peut avoir avec différentes personnes. C'est tellement ça. Et souvent, ça peut arriver aussi que ce genre de comportement, c'est dû à une fierté, tu sais. La fierté de dire, mais non, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et puis, je ne veux pas faire l'aumône et je ne veux pas faire comme si j'étais un mendiant et comme si j'étais un moins que rien. Et j'ai rencontré un jour une jeune femme comme ça, si tu la voyais, elle était toute belle, toute pimpante, elle était toujours bien coiffée, toujours parfaite. Et à la sortie de l'église, je lui dis, tu vas bien? Et elle me dit, oui, je vais bien. Et je sens dans mon cœur, il a fallu que Dieu révèle, je sens dans mon cœur, je lui dis, mais t'as mangé aujourd'hui? Et elle me regarde, elle me dit, non. Elle avait deux enfants. C'est une mère célibataire, elle était très jeune, elle avait une vingtaine d'années, deux enfants. Et je lui dis, les enfants ont mangé? Elle me dit, non. Et je dis, c'est quand le dernier repas qu'ils ont pris?
Ça faisait 2 jours. Oh là là. Ni elle, ni les enfants, ils n'avaient pas mangé. Mais parce qu'elle a gardé ça pour elle. Parce qu'elle a dit non. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit, mais c'est certainement cette forme de carapace, de manque d'authenticité, de manque d'oser dire ça ne va pas. Et je crois que cette fierté fait que du coup, on ne reçoit pas l'aide dont on avait besoin. Et Dieu merci, Dieu est tellement bon qu'il a permis de me révéler ça à moi. Et du coup, on a pu l'aider, lui faire des courses. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a aucune honte à se faire aider. Il n'y a aucune honte. Ça m'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. On est tous dans des saisons différentes de notre vie. Et il n'y a pas de honte à dire, là, j'ai pas mangé, j'ai faim. Mais je crois que des fois... je crois que, juste pour rebondir sur ce qu'Aurélie est en train de dire, que des fois, dans les relations, on veut présenter un produit fini. Et je me rappelle quand j'étais enceinte et que j'étais à la maison et que je regardais que de la télé parce que j'avais rien d'autre à faire. Je regardais une émission. T'avais autre chose à faire, mais tu le faisais pas. Bah peut-être. Je regardais une émission des montages. J'ai l'air. Ok. Bref, je raconte. C'est pas grave. Je suis authentique. C'est comment ça, authentique. On fait des produits. Des fois comme une lampe. Comment on construit une lampe et là-dessus... Ah, tu t'ennuyais vraiment. Non, mais D'accord. C'était fascinant parce que des fois, tu vois ce pot, mais comment ce pot a été construit? Et c'est vraiment fascinant. Comment on prend les matériaux et puis on met ensemble. En tout cas, moi, j'aurais trouvé ça super intéressant. Et tu vois comment ça commence. Et puis, c'est tout un cheminement avant pour que ça devienne ce produit fini. Ouais. Et je crois que dans les relations, comme Aurélie l'a dit, la vie est un chemin. Et c'est peut-être, des fois, on veut la popularité, puis on veut les 10 000 amis qui vont nous suivre. Mais vaut mieux quitter 2 personnes qui vont suivre ce chemin de processus, qui vont savoir quand tu étais un matériel brut. Et quand tu es devenu ce produit fini. Ils pourront témoigner. Voilà, ils pourront témoigner de la grâce de Dieu dans ta vie. Ils pourront ne pas te juger quand tu es le produit fini qui casse en disant, elle est juste comme ça. Parce qu'ils savent d'où tu viens. Parti. Exactement. Et donc, je crois que des fois, par désir de popularité dans les relations, on ne peut pas être authentique parce que franchement, on a 10 personnes autour de nous. On veut maintenir cette... on veut garder ce rythme-là et puis maintenir cette certaine image. Mais si on se dit que, tu sais quoi, je préfère avoir 2 vrais amis que en avoir 7, du coup, avec ces 2 personnes-là, je vais pouvoir être authentique. Et là, oui, je pourrais partager des défis ou en tout cas des personnes, ils pourront me voir. Quand Nadine, quand elle est heureuse, quand elle est drôle. Et puis Nadine, les jours où ça va mal, ils seront capables de l'aimer aussi, pas de dire, comment ça se fait? Parce qu'on a toujours vu dans une certaine image. Donc, je crois que nous-mêmes aussi, on doit réfléchir sur c'est quoi l'idée de relation qu'on veut avoir. Si on est juste dans la popularité, c'est clair qu'on ne peut pas être authentique et être dans la popularité. Mais si on est dans la vérité, dans ce qui est vrai, dans ce qui est réel, dans la vraie relation, alors à ce moment-là, on pourrait être authentique. Moi, j'ai des amis. Un jour, ils m'ont dit, tu vois, Annabelle, quand tu ne vas pas bien, si tu es fatiguée, si tu passes un moment difficile, si tu as un défi, on ne le sait pas parce que tu ne le dis pas. Et parce que tu ne partages pas, et parce que ça ne se voit pas sur ta tête. J'ai apprécié qu'ils me le disent, parce qu'ils m'ont dit, pour nous, ça fait partie de l'amitié qu'on puisse partager ces choses-là, et toi, tu ne les partages pas. Et en fait, ça met une distance entre nous. Oui, c'est ça. Parce qu'après, on peut apprendre certaines choses, etc. Et ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas être des amis, ce n'est pas parce qu'on s'en fiche de toi, ce n'est pas parce que même toi, t'en avais forcément besoin, mais eux, ils disaient, nous, en tant qu'amis, on a besoin, tu sais, si on est amis, on a juste besoin de savoir ce que tu vis, tu vois, sans forcément donner tous les détails, mais que tu sois pas aussi, aussi secrète et aussi confidentielle. Et tu vois, j'ai trouvé ça courageux, puis vraiment bien, en fait, de leur part, de me transmettre leurs attentes en tant qu'amis. Et je me suis dit, c'est vrai, tu vois, je peux aussi, quand je change de place, je me dis, t'as quelqu'un avec qui tu marches, que tu côtoies, et puis tu te dis, elle nous dit rien, elle partage rien, et qu'est-ce qu'on est, à quoi on sert, tu vois, en tant qu'amie, à quoi on sert finalement, puisqu'elle veut vivre toutes ces choses toute seule. Et je me suis dit, c'est bien, et je crois qu'à la fois dans une amitié, quand on veut aller plus loin, on sent qu'il y en a un qui est peut-être plus, plus réticent à se confier, et pas parce que l'environnement n'est pas favorable, mais parce que l'autre le fait pas pour X raisons, c'est de le dire en fait. Moi ça m'a vraiment aidée et je me suis dit je vais le faire, c'est peut-être pas naturel, mais je vais le faire parce que je sais que c'est important pour nourrir l'amitié en fait, pour nourrir cette relation, parce que moi s'ils ont un problème, je vais être là pour eux et puis ça me ferait de la peine, tu vois, de savoir un an plus tard qu'ils traversaient une crise, puis on était là ensemble, on a mangé, t'as aidé la terre entière, tes amis ils ont pas pu te parler, je veux pas avoir ce genre de relation. En tout cas, moi je sais personnellement rapidement que
mon authenticité à moi envers mes amis, dans l'amitié, ça m'a vraiment aidé à progresser. Mm-hmm. Et puis, parce que, justement, quand on est authentique, ben, nos amis, des fois, ils peuvent nous aider, mm-hmm. peuvent penser à quelque chose que nous, on n'a pas. Oui. Et puis, la Bible dit qu'on va de gloire en gloire, de grand progrès. Mm-hmm. Et je pense vraiment être authentique dans nos relations avec les amitiés. Justement, ça contribue à ça. C'est pas juste à la verticale, mais ça peut être à l'horizontale mm-hmm. aussi. Donc, ouais. Vraiment, personnellement, j'ai dû prendre la décision, je vais être vulnérable, je vais être authentique, je vais être moi-même, sinon je vais étouffer. Mais après, je vais trouver des bonnes personnes avec qui être moi-même. Mais franchement, je n'ai pas honte de rigoler, j'ai pas honte de, voilà, de pleurer. Je me rappelle, un jour, on avait eu un deuil et j'avais pleuré, je pleurais tellement. Et il y a une sœur de l'église qui était venue, puis elle me dit, oh, elle me reconfortait, voilà, soyez toujours joyeux. Elle m'avait dit un truc pareil. Et je lui ai dit, tu sais, je n'ai pas honte de pleurer, parce qu'en ce moment-là, là, j'ai pas envie de rire, j'ai envie de pleurer. C'est ça. Et je veux pas me dire, ben, si je pleure, vous allez me dire, mais comment elle est, elle, c'est elle la femme du pasteur, elle est supposée être super spirituellement forte, et là elle est en train de pleurer, je vais vous décevoir. Non, non, je suis un être humain, et si je me cogne contre la table, ben, je fais aïe. Et c'est normal, et je crois que des fois, c'est nous-mêmes aussi qu'on doit accepter d'être vulnérables. Après, ceux qui voudront, nous prendront, ceux qui voudront pas, voilà. Mais c'est au moins, tu sais, on va pouvoir marcher de façon vraie, sinon on va étouffer, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Vas-y. Non, j'allais juste dire qu'en fait, aussi, il ne faut pas hésiter à demander au Seigneur avec qui tu veux que je marche. Ouais. Parce qu'en effet, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, on ne peut pas être intime avec tout le monde. Et la Bible n'a jamais dit ça. Dieu ne nous demande pas d'être intime avec tout le monde. Mais le Seigneur peut nous identifier. En fait, le Saint-Esprit va nous permettre d'identifier. Tu vois, avec cette personne-là, tu peux avoir confiance. Parce que des fois, on manque de discernement et de sagesse. Merci. On va se confier à n'importe qui. Mm-hmm. Et cette personne va aller répéter et répéter. Et toi, t'es affiché complètement. Et voilà, et t'es humilié. Et en fait, t'as plus de problèmes qu'avant. Donc, t'as ton problème plus. En plus, t'as ce problème, t'as été humilié. Et là, tu te fermes à tout le monde. Oui, et là, du coup, tu te fermes à tout le monde. T'oses plus parler à personne. Mm-hmm. Alors que si t'avais été sage, si t'avais prié, eh bien, le Seigneur t'aurait révélé avec qui tu peux être intime. Exactement. Et aussi, avant de terminer, tu disais, Nadine, si je me cogne sur la table, je vais faire aïe. Mais quand on voit, et surtout au niveau des ministères, certaines femmes qui ont l'air très fortes, vraiment, t'as l'impression qu'il peut leur arriver quoi que ce soit, que quand elles prêchent, tu leur fais leur mettre une claque, elles vont pas bouger, tu vois, elles vont continuer de prêcher. Bah, quelque part, tu renvoies comme un modèle. Et y a beaucoup de gens qui disent, OK, elle a réagi comme ça dans cette situation. Si moi, je réagis moins bien, c'est que je suis trop émotionnelle, c'est que je suis trop faible, je suis trop charnelle. Et du coup, ça met des pressions qui sont énormes sur les gens aussi. Or, les gens ne savent pas quelquefois le combat qu'il y a derrière. Mais oui. Ce que la personne a pensé, comment elle a combattu, et quelquefois, sans forcément, encore une fois, rentrer dans les détails. Parce que c'est vrai que quand on est ministre et on va prêcher, ce n'est pas pour raconter tous nos états d'âme. Mais c'est quelquefois, c'est bon d'être transparent et de dire, important. Vous avez vu ce résultat, c'est mais il y a eu un processus, c'est en fait. Ça n'a pas été si facile que ça. Et en fait, là, tout de suite, les gens se disent, OK, donc c'est normal que je sois dans un processus, moi aussi. C'est normal, j'ai eu mal, mais je vais chercher la guérison, je vais chercher à me fortifier. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vais vous encourager, si vous êtes dans le ministère, à continuer d'encourager et fortifier les personnes. Mais n'hésitez pas, quelquefois, à partager un petit peu le processus, parce que ça va énormément aider les gens, parce que c'est bien de leur montrer le résultat final, mais il faut aussi expliquer comment arriver à ce résultat final, parce qu'on en a besoin. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.